Carlo Ancelotti est-il toujours l'homme de la situation? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Carlo Ancelotti, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est parti. Alors, est-ce que Carlo Ancelotti est toujours l'homme de la situation, les amis? Est-ce que tu penses que c'est toujours l'homme de la situation? Moi, je trouve que, les amis, Carlo Ancelotti n'a pas l'effectif. Donc, il fait le meilleur, il est même fort, il est même très fort avec l'effectif actuel. Il arrive à avoir des résultats parce qu'il faut le souligner, c'était la première défaite de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Donc, il a gagné tous ses matchs et je rappelle qu'il est privé de plusieurs cadres. Tu perds Karim Benzema, tu n'as pas Courtois, tu as Vinicius qui n'est pas là, tu as Militao. Bref, Carlo Ancelotti fait le miracle. Pour moi, il fait le miracle. Donc, si on lui donne un meilleur effectif, il va faire des merveilles. Pour moi, le Real de Madrid est en déficit d'effectifs. Ils n'ont pas les jeux de qualité sur toutes les lignes. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Moi, je pense que Carlo Ancelotti, c'est toujours l'homme de la situation. Donne-moi ton avis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.